Sorelsan, vous êtes sur welovemusic.fr. En fait, le chant des sirènes, c'est le titre de l'album et c'est aussi le titre d'une chanson dans laquelle c'est un peu une chanson autobiographique, c'est un mélange de réalité et de fiction, on ne sait pas trop où ça commence, où ça finit, qui parle justement d'arriver dans un nouveau milieu, dans le milieu du show business, qui parle aussi du fait de, comment dire, d'avoir plus d'importance. Là, par exemple, je suis en promo, aujourd'hui, j'ai fait que de parler de moi tout le temps, les gens s'intéressent à moi. C'est pas le même état d'esprit qu'avant, donc forcément il faut un petit temps d'adaptation. Le chant des sirènes, pour moi, ça va plus loin que vraiment, tu vois, le showbiz, la coke, les putes, tu vois, les trucs un peu clichés. C'est plutôt même dans le taf de tous les jours, savoir, mettons, t'as une augmentation et 3 semaines plus tard, tu te retrouves en train de gueuler sur les gens qui étaient tes collègues, qui étaient exactement au même niveau que toi. Et puis, tu as des gens qui peuvent prendre la grosse tête super vite comme ça. Ça peut arriver à tout le monde dès qu'on se donne un peu d'importance. Tu vois, pour moi, le chant des sirènes, c'est vraiment la tentation au sens large. J'ai eu des trucs de tentation, j'en ai toujours, tu vois. C'est toujours présent. Tu peux prendre la grosse tête, tu peux faire des trucs qui te ressemblent pas, ou tu peux changer complètement. Dès que tu as un peu plus d'argent, tu peux avoir envie de flamber, tu peux avoir envie de filles faciles ou de, tu sais pas, de manger des hamburgers saupoudrés d'or. Ça peut arriver, mais ça, c'est là tous les jours. Mais après, c'est une question de, comment dire, c'est une question de développement personnel, savoir ce qu'on peut vraiment faire. Par rapport à mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'était pas être en boîte, c'était pas flamber, c'était pas frimer parce que je sais même pas vraiment le faire, c'est pas traîner avec 30 000 meufs, faire le playboy. Ce que j'aime vraiment, c'est faire de la musique, discuter, rester chez moi, jouer à la console. Moi, je suis assez calme, hein. Je peux rester assis sur une chaise sur ma terrasse 3 heures sans rien faire, ça me pose aucun problème.